Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital et c'est toujours un grand plaisir de vous donner des informations. Voilà, et vous savez déjà que c'est en ce qui concerne les bourses et si c'est la première fois de voir ma chaîne YouTube, essayez d'abord de vous abonner, essayez de me donner un pouce bleu, essayez aussi de recommander mes vidéos à d'autres personnes parce que c'est très important. Il y a plusieurs personnes qui essaient comme ça de à chercher à postuler, à avoir des liens un peu plus véridiques pour pouvoir postuler et avoir des bourses. Voilà, donc c'est dans ce cas-là que moi j'ai fait des vidéos. Donc, si des personnes, il existe des personnes qui veulent vraiment avoir des informations, de vraies informations pour postuler à ces bourses. Voilà, essayez de partager mes liens sur Facebook, sur même sur YouTube, sur Instagram et tous ces points-là. Voilà, donc, comme je l'ai dit, c'est toujours moi de Sam Hospital et vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Et surtout, merci de me suivre. Et aujourd'hui, je suis juste là pour vous présenter la bourse ou bien vous donner l'information parce que nous avions été hier au forum des Africains ici en Russie. Voilà, et nous avons eu à poser des questions en ce qui concerne le lien ou bien le site qui ne marche pas pour la bourse russe. Voilà, et après cela, lorsque nous avons fini de poser ces questions-là, voilà, j'ai eu à m'entretenir avec une dame pour que cette personne-là me donne aussi des réponses concrètes par rapport à d'autres sujets. Voilà. Ici, je vais vous laisser suivre un peu l'extrait, comme ça vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Voilà, ça passe. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Que tu fasses, il faut encore faire des choses. Вот такие важные моменты. Запоминаем. Возможность получить очень серьезную стипендию страны Российской Федерации и возможность получить квоту. Ok, maintenant que vous avez vu sur l'écran, c'est quoi sur le site? Eux aussi, ils ont ouvert le site, vous comprenez un peu. Ils ont ouvert, ils ont mis le lien du site là, et le site ne passe pas. Vous comprenez un peu. Donc, ils ont mis l'exemple comme ça pour nous expliquer ce qui allait se passer et puis comment est-ce qu'ils allaient faire. En fait, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que ceux qui n'ont pas encore reçu le quota, quand je dis ceux qui n'ont pas encore reçu le quota, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, la bourse de Russie, par exemple, comme ça, je vais prendre par exemple trois pays, je vais prendre la Côte d'Ivoire, je vais prendre le Sénégal, et puis je vais prendre par exemple la Guinée. Vous comprenez un peu? Voilà, donc je vais prendre trois exemples, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et puis la Guinée. Par exemple, actuellement, comme ça, ils ont envoyé déjà le quota du Sénégal là-bas au Sénégal. Vous comprenez un peu? Donc, les étudiants qui viennent du Sénégal vont devoir postuler directement du Sénégal. C'est-à-dire, si vous avez comme ça votre gouvernement qui vous appelle à une candidature à l'université qui concerne la Russie, qui concerne le gouvernement russe, ça veut dire que c'est votre gouvernement qui va faire la sélection. Vous comprenez? Le gouvernement va faire la sélection et va renvoyer à l'ambassade de la Russie au Sénégal. Maintenant, par exemple, les Ivoiriens qui n'ont pas encore reçu de candidature en ce qui concerne la bourse de la Russie, ces Ivoiriens-là seront obligés d'attendre le lien qui sera en ligne et postuler en ligne. Et ainsi, c'est le gouvernement russe par la structure de la Côte d'Ivoire qui va faire la sélection des étudiants de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez un peu, voilà. Donc, il y a plusieurs cas, excusez-moi, il y a plusieurs cas, c'est différent. Donc, vous devez faire très attention. Dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est de vérifier vraiment si votre gouvernement n'a pas encore reçu de lien ou bien de quota pour faire des sélections. Vous comprenez un peu à ce qui concerne la bourse du gouvernement russe. Parce que le lien sera disponible en janvier. Je lui ai demandé comme ça en janvier, mais quelle est la date exacte? Elle m'a dit aussi qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne sait pas, mais ils lui ont dit en janvier. Alors, si une fois que janvier arrive et que c'est pas encore disponible, je vais essayer de vous donner les informations au fur et à mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera possible toujours à ceux dont les pays n'ont pas encore reçu de quota de postuler en ligne. Voilà, donc la bourse de Russie sera en ligne. Maintenant, excusez-moi, maintenant, ce que je voulais vous dire, ce que je voulais ajouter, c'est quoi? C'est que pour pouvoir postuler, c'est très simple. Je vous l'ai déjà dit auparavant, ceux qui m'envoient des messages et tout ça. Pour pouvoir postuler, c'est très simple. D'abord, il y a deux phases. Il y a une première phase où ils vont faire les sélections. Et cette première phase ne va pas dépendre de votre moyenne et tout ça. Non. Cette première phase va dépendre de la qualité. C'est-à-dire, si vous avez un dossier complet, ce que vous avez rempli, est-ce que vous avez rempli complètement et tout, tout, tout et tout ça. Donc, une fois que vous avez bien rempli, vous voyez un peu, et que vous respectez les règles du remplissage et tout ça, vous allez passer aux secondes étapes.
Donc, la première étape, c'était quoi? C'est juste de présenter votre diplôme de baccalauréat. Ils veulent vérifier que vous avez votre diplôme de baccalauréat. En ce qui concerne les Ivoiriens, comme ça, votre diplôme, c'est à l'ambassade, c'est à la Drenne, vous comprenez un peu. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller chercher votre diplôme, le diplôme cantonné à la Drenne. Vous pouvez postuler avec votre collante. Vous comprenez un peu. Donc, vous postulez avec la collante ou bien avec le diplôme plus la collante. Voilà, ça va dépendre de vous. Vous pouvez mettre les deux ensemble dans un même fichier PDF et vous allez postuler avec. Maintenant, à côté de ça, ils ont dit comme ça que eux-mêmes dans les références, ils ont dit comme ça que vous pouvez postuler avec la carte d'identité ou bien le passeport. Mais moi, ce que moi j'aimerais vous conseiller de postuler avec le passeport, parce que lorsqu'ils éliminent, ils font ça aussi. Lorsqu'ils éliminent, ils font ça aussi. Ils regardent passeport, carte d'identité, ils éliminent carte d'identité. Vous comprenez un peu. Et puis, ils vont annoncer qu'il y a des personnes qui sont allées au second étape. Donc, allez-y, continuez. Vous comprenez un peu. Donc, essayez comme ça de faire le minimum, d'avoir comme ça une carte d'identité. Pas une carte d'identité, mais un passeport pour pouvoir remplacer la carte d'identité. Maintenant, si vous n'avez pas de passeport, ok, le passeport, vous pouvez le faire après. Mais essayez au moins d'avoir une carte d'identité, compléter à votre diplôme et puis postuler pour la première étape. Une fois que vous êtes sélectionné pour la première étape et que vous allez au second étape, c'est en ce moment-là que vous allez maintenant chercher à faire des traductions de dossiers. Donc, vous allez traduire votre diplôme, vous comprenez un peu, vous allez traduire votre diplôme, vous allez traduire peut-être votre carte d'identité et tout ça, et vous allez maintenant les mettre en ligne, vous allez remplir les formulaires et les mettre en ligne. Moi, ce que moi, ils sont en train de dire, c'est quoi? C'est que si vous pensez que vous avez 10 de moyenne ou bien vous avez 11 de moyenne, essayez de voir sur le net quelles sont, parce qu'il y a des facultés, il y a des universités qui acceptent ceux qui ont 11 de moyenne ou bien 10 de moyenne, mais en réalité, eux, ils ne se fixent pas sur, par exemple, comme ça, sur la moyenne générale, mais se fixent sur les filières, vous comprenez? Donc, si par exemple, vous voulez faire une physique chimie, par exemple, comme ça, une physique chimie, vous faites une physique chimie, c'est physique, c'est chimie, c'est mathématiques. Donc, il y a des universités qui se fixent sur des filières, alors qu'il y a des universités qui se fixent directement sur, comment on appelle ça, sur la moyenne générale. Vous comprenez? Donc, c'est à vous maintenant de savoir comment ça se passe et tout ça. Voilà, donc, l'information que je voulais vous donner ici, je vais faire de façon brève, c'est quoi? C'est que la bourse du gouvernement russe sera disponible en ligne, voilà, mais le site sera ouvert en janvier. Voilà. Maintenant, ceux dont les gouvernements ont déjà reçu des quotas, vous pouvez vous renseigner auprès de ces gouvernements-là pour pouvoir postuler auprès d'eux. Parce que même si vous ne postulez pas là-bas et que vous venez en ligne pour pouvoir postuler, ce n'est pas vraiment certain que vous ayez une bourse ou pas. Parce que la sélection sera déjà faite déjà dans votre gouvernement, par rapport auprès de votre gouvernement, vous comprenez. Voilà, donc essayez d'abord de vérifier avant de vouloir postuler. Vous ne devez pas faire et là-bas et ici, ça ne sert à rien. Voilà. Donc les gars, c'était moi Samuel Spita, surtout prenez soin de vous, n'oubliez pas, c'est très important, et likez la vidéo, c'est ce que je fais, vous rendez un grand service, essayez de liker. Et je voulais ajouter aussi que nous suivons des étudiants aussi, voilà, chaque année nous suivons des étudiants, il y a plusieurs qui sont arrivés ici grâce à nous. Donc si vous êtes vraiment intéressé pour qu'on puisse suivre votre dossier, voilà, vous pouvez nous contacter déjà inbox, il y a mon numéro WhatsApp ou bien le numéro WhatsApp qui est juste là, vous pouvez prendre ce numéro WhatsApp là, vous m'écrivez inbox et puis je répète très bien, ceux qui veulent qu'on suive le dossier, ceux qui ont des questions, laissez les questions en commentaire. Je vais essayer de vous répondre pour que vous ayez au moins l'aperçu de ce que je suis en train de dire. Ok, donc à plus les gars, et puis voilà, surtout prenez soin de vous.